bonjour à tous et merci d'être avec nous cette semaine encore dans cette émission Zigzag, émission culturelle, où on a le plaisir depuis pas mal de temps de recevoir avec nous des pasteurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pasteur Myriam. Bonjour, frère Jean-Claude, bonjour. Merci de nous recevoir, merci de recevoir Jésus. Merci de Christ en Bassi. Amen. Voilà, ben, on a aussi Alexandra avec nous, hein? Pasteur Alexandra. Hein? Bonjour frère Jean-Claude, merci pour cette grande opportunité que vous nous donnez d'être présent ici. Merci, vous n'êtes pas venu tout seul parce qu'il y a Pasteur Corinne aussi avec nous. Bonjour mon frère Jean-Claude, merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour cette invitation. Merci. On va parler aujourd'hui d'un sujet très important, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, on va parler d'un sujet qui aussi fait que beaucoup de gens se remettent en question parce que souvent, il y a des guérisons qu'on n'arrive pas à expliquer, on appelle ça des guérisons divines, hein, quand les médecins n'arrivent pas à comprendre, quand la science ne peut pas comprendre et n'arrive plus à soigner, quelquefois il y a des gens qui se retournent qui va vers une autre direction et on appelle ça la guérison divine. Alors, Pasteur Myriam, explique-nous un petit coup, c'est quoi la guérison divine? Merci beaucoup. Je tiens à remercier Pasteur Pierre qui nous a envoyés. Donc, nous avons été mandatés pour venir parler et participer à cette émission, afin de faire connaître l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de faire connaître la parole de Dieu. Et Dieu se sert de chacun de nous, parce que nous sommes ses ministres. Dieu a fait de chacun de nous la nouvelle créature, et nous sommes les ministres de la réconciliation. Mmh. Si tu permets, nous on est porteurs de la parole de Dieu, frère Jean-Claude, et Dieu, nous, tout ce qu'on dit, c'est dans la parole de Dieu. Et si tu permets, je vais prendre un verset de la Bible. Comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a fait ministre de la réconciliation. Réconciliation comment? Parce que beaucoup pensent que Dieu a envoyé la maladie. Dieu est l'auteur de beaucoup de choses, de négativité. Et Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que la réconciliation vienne par Jésus au nom de notre Seigneur. Et dans la parole, comme je viens de lire le verset, et quand on devient la nouvelle créature, Dieu fait de chacun de nous la nouvelle créature ministre de la réconciliation. Pourquoi faire? Pour dire au peuple, à tous les enfants de Dieu, que Dieu n'a pas envoyé la maladie. Dieu a envoyé sa parole. Et c'est sa parole qui guérit. Et alors, qui donc a envoyé la maladie? Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Et c'est pour ça, les ministres de la réconciliation, en tant que ministre de la réconciliation, nous sommes là pour apporter la vérité. Parce que Jésus est venu pour rassembler chacun de ses enfants. Et quand il rassemble, et c'est à nous, en tant que ministres de la réconciliation, d'apporter cette vérité. Mais Dieu n'a pas fait seulement nous, Pasteur Corinne, Pasteur Alexandra ou Pasteur Myriam, ministre de la réconciliation. Dieu est venu, il a envoyé sa parole afin que chacun devienne aussi, le reçoit comme Seigneur et Sauveur et qu'il devienne la nouvelle créature qui est ministre de la réconciliation. Et donc, amen. Qui donc a créé la maladie? La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas envoyé la maladie. La maladie vient de l'autre. De l'autre, voilà. Celui qu'on ne citera pas le nom. Voilà. Mais en tout cas, alors, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, ce qui veut dire que sur cette terre, dans ce monde-là, hein, Dieu n'est pas tout seul. Dieu réincarne le bon, il y a aussi le mauvais. Dieu, il est bon. Nous, on est dans la certitude et on est dans la connaissance de la parole de Dieu. Dieu est amour. Et est-ce qu'il ne faut pas connaître le mauvais pour ensuite trouver le bon? Si tu permets, mon frère, il dit, ça veut dire, on est
Quand la parole, elle est dite, elle est écrite, elle est dite, elle est déclarée, Dieu nous dit, par la désobéissance d'un seul, la mort et le péché sont entrés dans le monde. Mmh. La désobéissance a amené la mort, la maladie et tout ce qui dit de la négativité. Mais Jésus est venu, envoyé par son Père, Dieu le Père, afin qu'il amène, il apporte cette guérison divine. Et c'est, ça appartient, le choix appartient à chacun. Et comme il est dit dans les Écritures, Dieu nous donne, il nous donne le choix. Il nous dit, il y a la vie et la mort. Et Jésus nous dit, choisis la vie. Mais Jésus est la vie et non pas la mort. Non, en Jésus, il n'y a plus de mort. Jésus, il y a la résurrection. D'accord. Alors, s'il a, il existe des guérisons divines, hein, je vais peut-être aller voir Pasteur Alexandra. Amen. Des guérisons divines, Pasteur Alexandra. C'est-à-dire qu'avec Dieu, on peut guérir de tous les maux. Amen. Merci, frère Jean-Claude, de me donner cette opportunité. Et je remercie Pasteur Pierre de me donner cette opportunité d'être là cet après-midi. Oui, Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce que les médecins, les chirurgiens ne peuvent pas faire, et je rends grâce à Dieu parce que Dieu a donné la capacité à tous les médecins, aux chirurgiens d'intervenir pour guérir ceux qui sont dans le monde, partout où ils sont, parce que pas tous croient en Dieu. Ça veut dire que s'il n'y a pas des médecins, s'il n'y a pas des chirurgiens, tout le monde va mourir. Non. Dans son grand amour, Dieu a pensé à toutes choses. Depuis qu'on est né, on est pris en charge par les médecins, par les chirurgiens, par toutes sortes de spécialistes dans la médecine. Merci Seigneur. Et là où le Seigneur intervient, moi je parle pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, le Seigneur y guérit là où la science ne peut rien. D'accord. C'est-à-dire que le Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, bien sûr c'est le Saint-Esprit qui va agir, va aller dans les zones où les médecins, les chirurgiens ne peuvent plus aller. Il y a des maladies, il y a des cancers qui sont dans la tête, dans les cerveaux, dans les parties où la médecine ne peut plus rien faire. Il y en a même des médecins. Moi, je me rappelle que lorsque mon mari était malade, il avait un cancer. Le médecin lui-même, il m'a dit, « Madame, il n'y a que Dieu qui pourra guérir votre mari. » Donc, la médecine, il y a des médecins qui savent leurs limites. Mm-hmm. Et là, Dieu intervient. Si la personne accepte d'être guérie... Bien sûr, parce qu'une des conditions sine qua non, en latin, on va dire, c'est que la personne qui doit être guérie veut être guérie. Veut être guérie. Elle a la foi, ne doute pas. Parce que celui qui doute n'espère rien recevoir de Dieu. Nous avons Dieu marche par la foi. Nous recevons tout de lui par la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on attend, on espère et on croit. Toute notre espérance est dans ce Dieu de l'impossible. Parce que l'homme, il est limité. Dieu est illimité. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous soient en bonne santé. Oui, alors, donc, Pasteur Corinne, peut-être, hein, si tout le monde veut se faire guérir et que demain, que tout le monde guérit parce que tout le monde croit en cette guérison divine, on sera sur un paradis, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de gens qui vont souffrir. Hein, ça peut exister, ça, un endroit comme ça sur Terre? Je dirais merci, mon frère Jean-Claude, et je rends grâce à Dieu que Pasteur Pierre nous a confié ici chez vous. Je dirais que ce serait vraiment le paradis. Je dirais même gloire à Dieu que tout le monde soit guéri. Et c'est ce que Jésus veut, que son peuple soit guéri. Parce que comme disait Pasteur Alexandra tout à l'heure, il y a différents maux. Il y a la maladie physique, mais il y a aussi la maladie qu'on ne voit pas, qui est morale. Ouais. Je peux intervenir, oui, bien sûr. Je peux rajouter quelque chose. Merci, frère Jean-Claude. Dieu veut que nous soyons tous guéris, mais le plus important, c'est que nous soyons sauvés. La guérison fait partie du cheminement. Il y a une différence entre être sauvé et être guéri. Oui, il y a des personnes qui sont gravement malades et qui appellent au secours à Dieu juste pour leur guérison. Après, ça ne les intéresse plus d'avoir cette relation avec Dieu, alors qu'on peut être guéri, mais on peut partir en enfer après. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu veut que nous soyons sauvés. Notre âme est plus importante que notre corps. Mm-hmm.
bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on a l'impression des fois de croire que c'est son cerveau, hein, bien entendu par l'intermédiaire de Dieu, c'est ce cerveau-là qui nous permet de guérir, parce que cette volonté qu'on a, on a vu par exemple lorsqu'il y a des coureurs, par exemple, hein, je prends cet exemple-là, qui font le grand raid, hein, ils courent pendant 2 jours, et puis les plus difficiles, on dit toujours que c'est les 2 kilomètres restantes, hein, les 2 derniers kilomètres, et là souvent on dit que c'est plus la personne qui court, mais c'est son esprit qui lui fait courir. C'est-à-dire que c'est son esprit qui a pris le dessus sur son corps et qui le fait courir malgré ses blessures, malgré sa fatigue, malgré tous les problèmes de sécheresse qu'il a eu pendant ces 2 jours de course. Là. Est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on est malade, c'est vraiment avec son esprit qu'on peut se faire guérir quand la médecine ne peut plus rien faire, hein? Oui, je peux. Oui, merci beaucoup, mon frère Jean-Claude. Tout vient de la foi. Et je confirme ce que Pasteur Alexandra a parlé. La guérison et tout ce qui vient, nous devons le recevoir par la foi. Et c'est pour ça, Dieu, tout ce que nous faisons, tout ce que nous espérons, tout ce que nous pensons, ça vient de la foi. Et je vais rebondir dans ce que tu as dit par rapport aux coureurs. Et il dit que Dieu a donné à chacun la bonne mesure de foi. Et Dieu dit maintenant, je t'ai donné la bonne mesure de foi. Et c'est à toi de travailler avec cette bonne mesure de foi. Dieu dit maintenant, fais ta part. Et tout ce que nous espérons, par exemple, la santé, et c'est par la foi que nous recevrons. Souvent, il est dit, comme il est dit dans les Écritures, et Dieu dit, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, femme, ta foi t'a sauvée. La guérison, ou quoi que ce soit qu'on attend, ou même des circonstances de notre vie, ou un concours qu'on attend, ou quoi que ce soit, ou les finances qu'on attend, ça vient de la foi. Parce qu'on place cette foi que Dieu nous a donnée, et on réussit, et on gagne. La foi peut sauver le monde. La foi, oui, la foi. Mais c'est la foi du genre de Dieu. Parce que de l'autre côté aussi, il y a la foi, parce qu'ils mettent leur foi dans ce qui est de leur Dieu. Mais nous mettons notre foi dans ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pour ça qu'il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et nous nous fixons, comme il a été dit quand on a commencé cette interview, frère Jean-Claude, tout est basé sur la parole de Dieu. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on déclare vient de la parole de Dieu. On ne le fait pas de nous-mêmes, c'est la parole de Dieu qui nous le demande, parce que Dieu veut que nous parlons comme lui parle. Exactement. Merci. Alors donc cette guérison divine, comme l'a dit Pasteur Alexandra tout à l'heure, hein, cette guérison divine là survient généralement lorsque la médecine moderne, on va dire, hein, les chirurgiens ne peuvent plus faire grand chose, hein, c'est l'alternative, c'est ce qui reste pour ce patient là s'il a la foi de se faire guérir. D'ailleurs, Pasteur Alexandra l'a dit tout à l'heure, si bien que souvent des médecins disent, ben nous on peut plus rien faire, c'est Dieu qui peut vous sauver. Alors Dieu peut sauver seulement les gens qui sont dans sa communauté, ou bien sinon quelqu'un qui arrive comme ça au dernier moment et qui dit, moi je suis très malade et que les médecins n'ont pas pu me sauver. Et comment je vais faire pour me faire sauver, moi? Et on peut retrouver la foi tout de suite et guérir tout de suite. Il suffit d'y croire. C'est-à-dire la foi instantanée. La foi, c'est croire. On croit d'abord et on voit ensuite. C'est ça la vie de la foi. Mm-hmm. La vie du véritable chrétien, la vie que nous vivons, nous, en tant que chrétiens de Jésus-Christ. Christ, c'est chrétien. On a la vie de la foi. Et nous, on a vu. C'est pas comme il est dit dans la parole. Thomas, lui, il a voulu toucher. Jésus lui a dit, ben, il voulait mettre la main. Il dit, vas-y, mets la main de mon côté. Et il a mis la main. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus a dit, Thomas, c'est parce que tu as vu, tu as cru. Oui, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous vivons cette vie-là. Nous n'attendons pas pour voir les choses, pour croire. Nous croyons d'avance que Jésus, il guérit. Jésus, il est là pour rassembler ses enfants, afin que la guérison s'opère sur toute la terre, dans toutes les nations. Et c'est ça que nous venons, en tant que ministre de la Réconciliation, apporter ce message pour leur dire aussi à chacun de vous qui nous écoutez et qui regardez, que Jésus est venu pour rassembler chacun de ses enfants et leur dire que vous êtes guéris au nom de Jésus.
Et comme pasteur Alexandre a dit, on ne peut le recevoir qu'à condition qu'on a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et c'est là ton âme est sauvée. Et tu bénéficies de cette guérison. Et tu bénéficies de cette vérité. Acceptez Jésus-Christ. Acceptez-le. D'accord. Amen. Alors, pasteur Myriam, cette guérison miraculeuse, guérison divine, pardon, ça peut être physique et ça peut être moral aussi, non, pasteur Corinne, hein? Oui, on peut guérir d'un cancer qui ne se voit pas, mais on peut aussi être guéri parce qu'on ne marche pas et du jour au lendemain, on marche. Tout à fait. Aussi? Tout à fait. Ouais. Je vais vous donner, par exemple, mon témoignage. On va dire que cette maladie que j'avais, ce n'est pas une maladie qu'on voyait. C'est-à-dire, moi, j'ai été une femme battue depuis de nombreuses années. Mmh. Et quand vous sortez de là, le Seigneur permet que vous ayez un cœur de pardon. C'est une guérison. Mmh. Parce que nous apprenons à pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal. On nous apprend à nous réconcilier avec nous-mêmes. Pour reprendre une vie normale. Bien sûr. Voilà. La guérison, elle est aussi de cette manière-là. Elle est plutôt psychique que physique, là, cette Tout guérison. Tout à fait. Là, dans le cas où je vous fais mon témoignage. Voilà. Alors, voilà. Ça, c'est, on dirait, c'est plus compréhensible, on va dire, puisque ça ne se voit pas. Mais il y a d'autres guérisons qui sont visibles. Là, je parlais de celui qui ne marchait pas, mais qui, du jour au lendemain, marche. Celui qui ne voit pas et qui, du jour au lendemain, voit. Dans la Bible, on cite plusieurs exemples. Comme ça que l'aveugle qui ne voyait pas et que Jésus est arrivé devant la foule et il a dit maintenant tu vois, il a couru partout, toutes ces choses qui sont spectaculaires aussi, oui. Quelque part il faut le dire, hein, spectaculaires pour les gens qui n'ont peut-être pas la foi et qui voient ça aussi devant eux, ça permet aussi à ces gens-là de changer un petit peu d'avis, hein, et de se réconcilier aussi avec Dieu. Amen. Jésus est venu, merci frère Jean-Claude, Jésus est venu pour rassembler, c'est celui qui rassemble. Et le fait quand il est venu pour rassembler, ça veut dire l'accepter, la guérison s'opère. Jésus est venu, quand il est venu rassembler, comme la parole de Dieu le dit, il est venu rassembler et aussi pour délivrer ceux qui sont captifs, les prisonniers. Mmh. Les aveugles, les boiteux, les estropiés. Et c'est ce que Dieu, Jésus est venu. Jésus est venu, la parole c'est Jésus. Et la parole guérit. La parole de Dieu, la parole qui est Dieu, la parole guérit encore. Mais quand Jésus est venu se rassembler, afin que, comme il a dit, que quiconque croit en lui, et il est sauvé. Et quand on se déplace, quand on revient sur le ministère de la réconciliation, quand Dieu nous a mandatés, nous sommes celui que Dieu a choisi. Et Dieu veut rassembler par ce moyen qu'on passe sur ce plateau, que chacun écoute et que chacun soit aussi sensible et qu'il soit à l'écoute, que Jésus est celui qui rassemble. Dieu, il veut rassembler tous ses enfants. Et on parle souvent de l'enlèvement. Dieu, Jésus, il est le rassembleur. Et il veut que rassembler chacun de ses enfants et à un moment donné, tous ses enfants sont rassemblés, il partira avec chacun de ses enfants. Et c'est ça l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, bien sûr. Hein. Alors, on parle de guérison divine, là, dans cette émission, vous avez dû le remarquer, hein, puisque depuis tout à l'heure, on a des guérisons qui se voient, des guérisons qui ne se voient pas. Et est-ce qu'on peut aussi programmer des guérisons, une guérison divine? On a vu dernièrement qu'il y a eu des assemblées où les pasteurs étaient là et puis les gens venaient et avec l'imposition des mains ou avec la prière, on pouvait guérir parce que on a dit qu'il y a un rassemblement à tel ou tel endroit et donc les gens peuvent guérir. Alors, on peut programmer cette guérison-là aussi. C'est un peu compliqué ma question, je le sais, hein, mais lorsque on vous dit que ben viens, on va vous faire une imposition des mains, par exemple, hein, là on a programmé là, donc la personne n'est peut-être pas vraiment aussi, il a peut-être pas la foi en Christ ambassé, hein, il a peut-être pas la foi en Jésus, il a peut-être pas la foi en Dieu, il est peut-être quelque part peut-être aussi athée, hein. Mais si on est athée, on n'est pas guéri? Si? Psst.
Merci Jean-Claude. Ça dépend de la volonté de la personne, parce que je prends toujours mon témoignage. Moi, je ne croyais pas en Dieu, mais j'étais dans une situation où il n'y avait aucune issue. J'ai tout essayé. Moi, c'était mental, hein. Et j'ai tout essayé, et comme ça ne fonctionnait pas, on m'a proposé, une collègue de travail m'a proposé de venir à une retraite spirituelle. Et j'ai dit, ben là, ton Jésus, soit il me guérit, soit c'est fini pour moi. Et je suis allée, c'était mon dernier recours. Et quand je suis allée, je m'attendais à être guérie, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Qu'il soit athée, qu'il soit qu'importe qui il est, s'il n'a pas d'autre solution, ben on essaye. Il y a des personnes comme ça, ils sont obligés. Et la parole dit dans Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur dit que je suis à la porte et je frappe. Tous les jours, le Seigneur Jésus est à la porte de chaque cœur. Il frappe, il attend qu'on ouvre son cœur. Il y a des personnes qui attendent, comme moi, que nous soyons dans des états vraiment à la limite et que plus rien ne peut nous apporter la guérison. Et c'est là qu'on accepte le Seigneur. Mais le Seigneur, il est là tous les jours, et il frappe à la porte. Et si tu ouvres ta porte, la porte de ton cœur, le Seigneur viendra souper avec son Père, et nous, on soupe avec lui. Et surtout, je rends grâce. Moi, j'étais obligée de passer par ce chemin pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, et surtout, si on ouvre la porte, si on ouvre son cœur, on ouvre aussi à sa guérison. Voilà, merci beaucoup. Pasteur Ben, il y a un petit mot pour finir. Alors, si je peux, merci frère Jean-Claude. Souvent, il arrive dans le monde terrestre ou dans ce monde, on va dire, charnel. Il faut souvent la publicité pour... Mais ceci dit, on n'est pas là pour apporter des critiques, non. Nous, on est venus, on est des agents de paix. Et si tu permets, frère Jean-Claude, on parle aussi de ce magazine, de notre ministère Christ en Bassie. Et par rapport à ce magazine, le fait d'y croire et d'avoir la foi, la guérison vient. Pourquoi? Parce que la personne, Dieu, à un moment précis dit, tu as tellement cherché la guérison, je vais t'envoyer quelqu'un ou une situation, parce que Dieu passe par toutes des situations. Dieu nous parle à tout instant, que ce soit par un programme télévisé, quoi que ce soit, par une louange ou par un verset ou quoi que ce soit. Dieu nous parle à chaque instant. Et par ce magazine de Healing Stream, la guérison vient. Et on a souvent entendu aussi le témoignage que quelqu'un qui était vraiment mort, et dans ce transport, il y avait quelqu'un qui avait ce magazine-là. Le fait qu'il a pris ce magazine, il l'a posé sur la personne, la guérison est venue. Pourquoi? Il n'y a que la foi. Même celui qui est parté ou quoi que ce soit, il a fait exercer la foi que Dieu lui a donnée. Parce que ce n'est pas son temps. Et Dieu aime ses enfants. Dieu ne veut à aucun moment que ses enfants meurent dans des circonstances ou quoi que ce soit. Parce que la guérison est pour tout le monde. Pour tout le monde. Dieu aime ses enfants. Jésus, on insiste, Jésus est le rassembleur. Il est celui qui rassemble. Et on insiste, on persiste et on persévère à ce que nous disons que Jésus est le rassembleur. Merci beaucoup. Amen. Merci, pasteur Myriam. Un petit mot, pasteur Alexandra. Oui, c'est pour rajouter à pasteur Myriam concernant la guérison. Nous avons prochainement en mars un programme de guérison du 17 au 19 mars. J'espère que nous allons avoir l'occasion de revenir ici pour vous présenter et pour afficher les liens. Amen. Et les invitations pour que tous ceux qui sont sur l'île de la Réunion ou ailleurs, parce que votre chaîne passe partout dans l'océan Indien, Amen. Que les personnes s'inscrivent et reçoivent leur guérison et connaissent ces miracles divins venant de Dieu. À distance, hein, pas la peine de se déplacer, ils peuvent le faire directement par un lien directement. On a un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, plein d'amour. Et vous utilisez aussi Internet maintenant, puisque c'est la modalité aussi, et il faut utiliser les outils qu'on a actuellement. Pasteur Corinne.
Merci pour l'opportunité, mon frère Jean-Claude. Alors, ce que je dirais aux personnes qui nous regardent, c'est que gardez foi en Jésus. Parce qu'il est votre sauveur, il est votre Seigneur. Et quand vous avez foi en ce Dieu si puissant, vous recevez votre guérison. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein, merci. On se retrouvera prochainement. Hein, merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Il faisait un petit peu chaud cet après-midi ici. Hein, mais comme on dit, hein, après le mauvais temps, après la chaleur, viendra l'hiver et on se réconfortera à la douce brise de vent qui viendra peut-être nous réconcilier avec Dieu. Qui sait ? Amen. Merci bien. Alléluia. Merci. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu.